Voici le guide complet des défis bac à sable semaine 3 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander de détruire des pièces de construction avec un détonateur thermique ou de la dynamite. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans vos équipements. Ensuite ici, vous allez chercher le détonateur thermique, donc voilà qui est dans Star Wars. Ou alors vous avez la possibilité aussi de détruire avec des dynamites. Donc les dynamites, elles sont ici dans les projectiles. Vous vous équipez de ces objets. Et ensuite, quand vous les avez dans vos inventaires, on va le mettre, hein, hop, on va mettre ça. Voilà, quand vous les avez dans vos inventaires, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les utiliser pour détruire des pièces de construction. Donc vous placez des pièces de construction sur le sol, n'importe où. Là, vous en placez un peu partout. Et ensuite, avec vos dynamites ou vos détonateurs, bah, vous cassez les constructions. Et dès que vous aurez réussi à en casser 100, bah, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'attraper un poisson avec une canne à pêche. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous allez faire, c'est faire flèche du haut. Ensuite, vous allez dans vos cannes à pêche. Vous prenez la canne à pêche épique, hein, la meilleure, voilà. Ensuite, il vous faudra des appâts à poisson. Donc, les appâts, c'est les projectiles. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un seau à appâts légendaire, hop, en or. Non, épique plutôt. Et ensuite, vous l'équipez dans votre inventaire. Donc, hop, on va s'équiper de la canne à pêche. Ensuite, on lance le seau à appâts dans l'eau. Et là, ça va vous créer un coin de pêche, en fait. Et dans ce coin de pêche, vous lancez votre canne à pêche. Enfin, votre hameçon plutôt. Et là, vous attendez que le truc arrête de tourner. Et dès que c'est fini de tourner, à un moment, ça va faire un petit truc. Là, vous appuyez. Bon, par contre, j'ai appuyé, il fallait maintenir plutôt. Là, dès que ça vous affiche qu'il faut maintenir, vous maintenez votre bouton R2 pour pouvoir attraper un poisson. Et dès que vous aurez réussi à l'attraper, ben là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de placer des meubles ou des décorations dans le biome vallée aride. Donc la vallée aride, c'est tout simplement le désert, donc vous allez devoir vous rendre dans le désert. Et ensuite, vous allez devoir trouver une grotte dans ce désert. Parce que normalement, ils se sont trompés dans le défi. Normalement, le défi est réalisable dans les grottes. Normalement, il devrait être noté dans la grotte du biome vallée aride. Et en fait, je pense qu'ils ont oublié de noter un mot. Donc là, vous entrez dans une grotte que vous trouvez dans le désert. Et là, vous allez voir que quand je vais placer des meubles ou des décorations, logiquement, ça devrait valider le défi. On va essayer ça tout de suite. Donc là, je suis dans la grotte du biome vallée aride. Je vais soit dans des décorations, soit dans des meubles. Vous placez des lits, des tables ou alors du ménage, des tapis, enfin décoration murale, etc. Et dès que vous aurez placé un total de 20 meubles ou 20 décorations, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.